filmé en plus. Hein. Et Dems qui prend toujours pas la couleur neutrale. Je ne sais pas pourquoi son set est neutral, mais. Parce que là, il prend la. Début, on va avoir le plaisir. Non, c'est le vert. Ils ont fait un preset en bio de. Ouais, je pense. C'est parti. Et Daisy qui prend la couleur en neutral. Allez, on est parti pour cette game. Non, non, là il a pris. Il était en bleu, ouais. Là je l'ai mis en. Parce que. Non, mais Yugi était en bleu. Et... Si, si, c'est le skin bleu. Ouais. Mais parce qu'il prend le skin bleu aussi. Non, il prend pas besoin de skin neutral. Ah, je sais pas. Je sais pas, écoute. Après, Yugi il a pas été là pendant un petit moment cet été, je crois. Genre, enfin, il y a eu genre 2 semaines d'affilée où il a été pas là. Donc peut-être que en revenant des 2 semaines, il a joué plus bleu et que c'était au moment où justement les sets venaient d'arriver. Et qu'on lui en a pas refait depuis en fait. Ouais, j'étais pas là pendant 5 semaines, je crois. Bon, c'est pas grave. Allez. Merci. Donc, on crabe le navet. Oh, attention, la Stitch qui passe pas. Ouh, la Stitch, le downer qui. Alors, mauvaise DI, je pense. Parce que. Ouais, pas de tech aussi. Le bounce vers le bas, ça tue. Oh, la moto qui est trouvée qui sera pas cassée par le downer. Ah, le backer qui ne tue pas à quelques pixels près, ça aurait pu capaciter Yugi. Ok, ça trouve ce backer. Dems qui pour l'instant a une stock de retard, mais tout est rattrapable. Le chomp qui est très bien trouvé en couverture de l'edge trap. Oh, dommage, le backer qui a failli passer. Et par contre, on demande de l'ombrelle. Je ne se laisse pas avoir. Il remet un backer derrière et on est revenu à peu près à even. Hein. C'est Wario à tout moment. Wario il prend l'avantage sur une surface d'avantage. Hein. Bon, là j'avoue, sur 80% ça commence à être dur à rattraper, mais. Cependant, c'est pas fini. Attention, on se prend tous ces navets. Hein, l'abondance de navets, là on voit que le commerce est florissant. Le backer qui aurait pu être meurtrier et on a 137% sur cette stock Dems qui n'arrive pas à le toucher. Vraiment, il ne l'a pas touché depuis 30 secondes. C'est très grave. Très beau up smash trouvé de la part. Le nerf qui ne touchera pas avec de Yugi. En même temps, c'est even en fait. Genre, c'est even. Genre, là c'est even en fait. Il aurait pu waft après le navet. Et Dems qui a pas eu trop confiance. Ou alors il veut garder ses waft pour la troisième stock, mais il a pas eu. Genre, je pense qu'il aurait pu le claquer hein, déjà. Soit il a pas eu confiance, soit. Je pense qu'il a pas eu confiance plutôt. Ouais. C'est possible, mais en même temps, c'est peut-être possible qu'il ait juste envie de le garder. Hein. Mais je pense pas, oui. C'est pas à son avantage de le garder, hein, donc. Ça m'étonnerait énormément. Après, ça met de la pression, donc on va voir. En tout cas, pour l'instant, c'est. Il se fait pas, en tout cas il s'est pas dominé même s'il a une stock de retard. Genre il arrive à quand même mettre des coups, mais bon là ça commence à être compliqué, on est en situation de strap. Le très bon F-tilt qui est trouvé, ah oui, et la mauvaise DI de Yugi qui lui coûtera la vie. Et là on a un pull waft, on est sur une last stock, sur un combo, peut-être. Alors peut-être. Oh, on a esquivé le navet de feu. Oh, le navet qui est trouvé, attention, ça le met en très mauvaise posture. Le nerf qui va pas toucher la moto, on trouve des pourcents, oh non. On a short up upper au lieu de full up upper. Ok. Aïe, on a plus de moto. Oh, l'invincibilité. Le backer qui est trouvé. Oh, la mauvaise DI. Première game pour Yugi. C'est pas grave, on est sur une winner finale. On rappelle, la game a duré quand même assez longtemps. C'était assez serré. Ouais. On va voir comment ça se passe. Pour une potentielle game 2. Quelles vont être les adaptations? Quelle va être la map? Ça part l'Ilat. Ah non, ça ban l'Ilat. C'était le ban, ok, je vois. Town and City, bien évidemment, à l'avantage de Wario. Hein. Quoi? Wow. Quoi? Ah, vous foutez de moi? Quoi? Il nous fait une gluttonie là. Ouais. C'est Gluttony himself là. Ok, bon bah on va voir ça. Hein, bah non, let's go, putain. La quantité de switch, de couleurs et de perso de. Ah, vous me gonflez. C'est à gauche, je crois. Tout à gauche, à côté ouais, de moi. Merci, à plus, Gilo. Salut, c'est Noshiro. Ouais. Bon, on est parti, Roy. Du coup, Roy Daisy, un secondary. Ouais, c'est ça. Non, mais tranquille, je le prends bien. Mais
Bah, on va voir un secondary Roy. Sûrement, à mon avis, que c'est logique de prendre Roy en secondary quand tu joues Wario. Ouais, par rapport, le fait aussi, du coup, par rapport au match-up, etc. Peut-être c'est bien. Il prend exemple sur Gluttony et il a raison. Oula, et bah, il se prend déjà. Le navet qui est trouvé. C'est une absence de tech, malheureusement. Alors, après, je pense que switch sur Roy, c'était pas la meilleure chose parce qu'en fait, Wario était un match-up complètement. Je pense qu'il aurait pu clairement le faire en fait la game d'avant. Et il a pas confiance. Je pense qu'il a pas assez confiance en son Wario et ses combos là. Parce que, ouais, il y a meilleures... Oh, le backer qui est trouvé, très beau backer. Parce que Wario il a une meilleure mobilité mid-air, ce qui peut rivaliser avec celle de Daisy. Bon, ouais, oui. Roy, voilà quoi. Hein. Après pour l'instant il se débrouille bien. Hein. Ouais. C'est pas un secondary de merde quoi. Genre. C'est vraiment pas mauvais. Oh, par contre, ce fer qui est trouvé après ce navet. Et bonne conversion de la part de Yogi, qui pour l'instant est impérial. Ce side B, ça va mettre des pourcents. De l'âme, là. Ok, le backer qui est trouvé. Ok, le backer qui est encore trouvé. Dommage, à quelques pixels près on touche pas ce backer, mais on se laisse pas avoir. Le up smash par contre qui est tenté, un peu trop impatient, attention. La très bonne DI. Très bonne DI qui lui vaut de ne pas se faire ledge guard. Ah, par contre ça se précipite. Ah, c'est dur, il ne faudra pas chier là. On a 70%, 80%, c'est compliqué, on n'arrive pas à finir cette putain de toc. Ok, ça trouve un fer. Ça se retourne pour le backer. La prudence et la patience de deuxième game. Une mauvaise DI encore une fois. Une mauvaise DI de la part de Dames. On s'en veut, il re-go Wario effectivement. Tu peux l'emmettre sur Wario. Il a tenté, il a mis, ça marchait pas. Non, ouais, effectivement, il a tenté un pic secondary. Après, en même temps, on est en BO5, il peut se le permettre. Donc, ouais, je sais pas. Bah, c'est moins meurtrier que s'il avait fait ça en game 2 d'un BO3, tu vois. Ouais, mais ça aurait été, je pense, de récupérer un peu d'expérience. Oui, j'avoue, c'était pas intelligent, mais c'était pas pire. Comparé à un BO3, tu vois. Ouais. Ah, bah voilà, la couleur neutrale, on en parlait. Non, à moins que. Ah non. Il vient de mettre le stick dessus, il est en train de voir, il a pas encore changé de couleur. Non. Chier. Merde. Il a réfléchi en vrai, cette weekly est incroyable. Hein, ouais. Le set Mustino XY, incroyable. Mm. On est parti. C'est Bob Pickington, je l'ai pas vu, mais il devait être incroyable aussi. Ouais. Je sais pas si c'est SD, Bob Pickington, je pense. Hein. Ouais, sûrement. Parce que pour le coup, Pickington, c'est vraiment pas très haut seed, donc. On est reparti donc sur un Wario Daisy. Dames qui va sûrement trouver des meilleures adaptations, on l'espère. Et on va voir si Yogi reste impérial et juste domine le 7-3-0. Hein. Et on rappelle là le gagnant de ce set est assuré premier ou deuxième. Hein, donc c'est plutôt pas mal, il y a de l'enjeu sur le set. Et hyper bon avec Estus ou Wario. Bah surtout, en fait, parce l'un comme l'autre sont premier, deuxième ou troisième, tu vois. Ça. Donc c'est. Ok, on trouve des bonnes phases. Dans tous les cas, l'un comme l'autre ont gagné. Le set le plus worse à gagner, c'est la winner final. Parce que. Une winner semi. La winner semi te garantit de finir 3, genre. Minimum ouais. 3. Ah, mais du coup, il y a... Top 3, c'est le podium, tu vois. Ouais. Et c'est assez even, ok, on trouve un backer sur la tête qui n'est pas faite. Ok, le backer qui est trouvé, attention. Le ledge trap à la moto, on la lance de façon spéciale, hein, un peu bizarre. La dash attack est trouvée, mais il trouve le sour spot et le upper qui va tuer. On est sur PS2, le toit est pas super haut, donc forcément ça a pu tuer. Et faut faire attention, ok, ça trouve un grab. Ça va pas trouver le père, on n'arrive pas à trouver cette conversion. Oh, le pari up B, très très beau. Là, il gratte bien les pourcents d'Ames. On voit qu'il joue. Oh, attention, le navet. En plus, je crois qu'il fait mal celui-là, non? Ouais, c'est un Death Face, il fait dans les 33%. Ah ouais. Et du coup, il a une chance sur. Il vérifie 6 chances sur 100 d'apparaître. 1,6%. De quoi? 1,6% de chance d'apparaître. Ah oui, ok. Pour le backer. Ah, la DI qui disait quoi est bonne. Alors en vrai de vrai, je pense que la DI aurait pu. Ça m'a étonné qu'il soit parti aussi vite, aussi loin. Ah, le waft était intéressant. Ça tente le waft, malheureusement.
c'est. Alors, je sais pas si c'était Patron ou. Non, c'est Patron, ouais. Parce que c'est... normalement, il faut faire un upper fast fall et après. Bah. Et non, l'ending upper, oui, mais le tilt est censé être trop. C'est juste que je pense qu'il était à, il était à 3%. Ça, oui, ouais. Il était à 3% et que du coup, la DI était. En fait, tu pouvais DI out du WAP. Alors que quand t'es à genre, je pense, 20%, tu te prends 100%. En plus, au milieu du terrain, il y a des chances que ça tue pas si jamais t'es pas assez haut pourcent. Par contre, là, la Dame qui est en train de trouver des très beaux pourcents. Et en même temps, il a utilisé un c'était un full waft ou un half waft? Un full waft. Ah ouais, c'était un full waft. Ah ouais, effectivement, on est quand même à 4 minutes et on est encore sur la deuxième stock. Donc, on va peut-être pouvoir avoir un waft pour la dernière stock de Yogi. Hein. Il faut faire attention. Et pour l'instant, Yogi qui arrive pas à mettre 2%. C'est. Dems et. Oh là là. Les commentator curse. Vraiment, à chaque fois que je parle, il se passe l'inverse de ce que je dis. C'est ça. Oh, par contre, la dash attack qui est trouvée après The Fair. Potentiel première game win si Dames arrive à prendre cette stock. Ou par contre on a plus de moto. On a plus de moto, on arrive à revenir. Et par contre et le up smash qui est trouvé sur la roll de. Et Dames. On est revenu à even. Par contre on a bientôt un. Oh dommage, le combo qui va passer. Oh yay yay yay. Dames qui. Yogi qui trouve pas trop de solutions là pour revenir sur ledge. Même s'il en a trouvé une au final. Attention, attention. Oh ça trouve des très bons pourcents. Ça a pas voulu waft. Je sais pas s'il y avait le half waft ou pas mais. Là on est à kill pourcent. On est largement à kill pourcent. Il faut faire très attention pour Yogi. Ça trouve des chains. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'était que ce B. Mon dieu. Aïe aïe aïe. On est revenu à even. Yogi qui veut finir cette stock. Potentiel dernière stock de Dane en côté winner. Il y a encore 30 secondes pour le full waft. Du coup il peut tenter de. Non mais ouais il a un half waft bien chargé là. Ouais clairement. Genre là le half waft tue tous les jours de l'année. C'est ça. Oh là 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 là! Aïe 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 aïe! En vrai de vrai, je veux pas faire le mec, mais je l'ai vu venir. Genre, quand j'ai vu qu'il a roll, j'étais en mode. Normalement, il fait un waft et c'est parfait. C'est ça. Tu vois? Et ça a été parfait. Très bonne réaction de la roll de la part de Dames. On ne se fait pas 3-0 ici. Je prends cette game 1. Et du coup, Dames qui est plus confiant sur son Wario. Hein. Ah, clairement, le Roy était vraiment pas le bon choix. J'ai eu. Il a réussi à avoir, mais il a pu gagner un peu plus d'intel. Il aurait pu avoir plus d'intel à place de, en jouant Wario à place de Roy, ouais. Et Marius qui finit 7ème. À la même place que Gilo. Contre Rosa. Ah bah oui, encore. Encore de l'upset. Bon, ils sont tous les deux fait upset. Ouais. Ouais. Et Bastos aussi. Hein. Bastos s'est fait upset par Dames. Hein. Ouais, mais il a pas perdu. C'est pas vraiment. Bah là, il est en train de jouer contre XY. Attends. Bonjour commentaire, je crois. Bastos est en train de le fumer. Il a pris Wario, il a arrêté de. Il vient de gagner la game là. Je sais pas s'ils sont en game 1, game 2 ou quoi. Bon, en tout cas, pendant qu'on parle, Yogi qui est en train de fumer la stock de Dames. Pour l'instant, Dames qui n'a pas trouvé de pourcent. Ok, ça trouve un air. Ça va pas trouver les bons repères, mais on gratte quelques pourcents, c'est toujours ça de prix. C'est Wario. Oh là là, le down tilt. Dommage. Alors là, non, il a glissé, mais il a failli y avoir un potentiel jab lock. Ah oui, ça, ouais. Ça aurait pu être incroyable. Mais oh, attention. On est à kill pourcent de chaque côté. Très bien, chaque ouais, mais la game est super serrée. Hein. Oh, attention, la death face, comme tu le dis. Ça trouve le très bon grab. Ok, c'est une des short-up back-air. Ça tente des short-up back-air qui ne passent pas. Oh, ça tente beaucoup de back-air. La down tilt dash attaque va tuer. Il est mort à exactement 123,9%. Exactement. Ouais, c'est incroyable. Il va falloir trouver des pourcents là maintenant. Dames qui veut pas se laisser abattre. Il sait qu'il peut encore gagner ce set. Rien n'est joué. La très bonne get-up attaque pour mix-up la recovery. Ouais. Ok, ça trouve des très bons pourcents. Attention. Oh, attention. Oh, aïe, aïe, quel. Alors là, il a eu des couilles, Yogi. Mais il n'a pas air dodge alors qu'il pouvait se prendre un waft. Oh, très bonne. Le back air, instant back air. Incroyable. Mais on est quand même en désavantage. Il va falloir trouver des pourcents hein, pour rattraper. On a 76% à rattraper, c'est assez compliqué. En plus, Dames qui a bientôt un full waft. Il a un full waft. Le jeu aime me contredire, hein, c'est un délire. Mais on veut, à mon avis, on veut garder ce pouvoir pour la dernière stock. Ouais. Oh, le short-up down air
de où ça sort. Excusez-moi monsieur, le très bon FBI de Shield. Ah j'adore FBI de Shield. Oh ça, ça a pas compté le F-Tilt. Oh. Ok attention. Les backers qui sont spammés un peu de la part de... Il sait que ça tue, hein, forcément, il utilise... Oh la très... Oh, mais mon dieu, les mix-up que Dames nous sort sur des get-up attaques, là, c'est incroyable. Yeah. Ok, la dash attack est trouvée. Et encore une deuxième fois, le filet. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire dernier stock avec le WAF. Et on partira pour une cinquième game. On va voir ce que Dames va réussir à conserver son avantage. Et est-ce qu'il va trouver cette phase On va mettre une deuxième game à Yugi. Est-ce qu'il va trouver cette phase? Telle est la question. Pour l'instant, il n'arrive pas à trouver de coup. Mais forcément, il veut trouver ce combo. Il le fiche, hein, ce nerf là. On le voit qu'il le veut. Il met la pression pour le. Voilà, il force Yugi à faire des erreurs. Incroyable. Genre vraiment, il le force à faire des erreurs. Il fonce, il le bait, mais à mort. Et à chaque fois, il n'attaque pas. De toute façon, j'ai qu'à l'erreur, ouais. Oh, attention, ah, il a failli le calling upper qui a failli passer. L'appareil upper sur la plateforme qui aurait pu être meurtrier. Le down smash qui est tenté en couverture et on se fait. Et là, attention. Il se prend à faire. C'est potentiellement la dernière stock de Dames en côté winner. Potentiellement sur une game 5, on ne sait pas. Dames qui doit. Oh, le up tilt qui a trouvé, mais qui trade. Terrible. À la patience de Dames qui. Passe le prendre. Like. Oh, la stitch face. Non. C'est hyper Oh, il a failli chercher le break. Non, c'était pas une Deathface, c'était pas une Deathface. Non, c'était celle qui sourit. Non, c'est une Deathface. Bien sûr. Non, il. Le WAF. Mais non. Mais il était à 40%. Il est monté à 66 avec 40%. Mais non, ça fait 26. Oui, c'est stale. C'est stale, à force de. Ben, c'est navet, c'est stale. C'est-à-dire. C'est-à-dire que plus tu fais même attaque d'affilée, plus elle perd en puissance. C'est normal. Mais du coup, Deathface. Incroyable. C'est insane par contre, il y a une chance. Si Holo était là, il sera en train de vriller là. Mais du coup, on part sur une game 5. Dames qui va potentiellement faire son deuxième reverse 3-0. Hein. Il a reverse 3-0 Bastos, il va peut-être reverse 3-0 Yugi. Ce serait la run de sa vie. Hein. Ah ouais, ouais, non, mais là, il est on fire, Dames. T'as pas le droit? Mais du coup tu donnes à qui? C'est marrant non? Ah du coup là tous les tournois qu'il a potentiellement gagné le cash prize, il les aura quand il sera majeur. Mais techniquement si tu dis ouais je donne cet argent à une autre personne qui est majeure et que cette personne majeure le donne à des... Techniquement c'est légal de donner de l'argent à un mineur. Ah ouais? Même ses parents là? Il existe! Ok, oui, je vois. Oui, je vois. Ouais bon on est parti quand même sur la game 5. Pour l'instant ça joue un peu plus lentement que tout à l'heure. On ne commit pas hein, forcément. Et par contre on trouve quelques bons pourcents pour Dames. Ce backer qui est trouvé, attention on est sur une situation de ledge trap. Ça peut faire très mal, le down tilt qui est tenté, pas dommage à quelques pixels près à toucher. Attention Dames qui trouve des bons coups, attention. Pardon Dames, j'ai dit n'importe quoi. Yugi qui est en train de remonter sa petite phase de désavantage là. Et on a retourné la game en fait. Oh le très bon side B. Mon dieu, mais c'était un ledge trap de qualité qu'on a eu. Ok, le short up down air qui deuxième fois Yugi. Et là il faut trouver cette stock. Dames, il faut qu'il trouve cette stock parce qu'il faut pas qu'il perde le mental. Ok, c'est trouver une dash attack. On est sur small UF, ça ne tuera pas. Ça tente de extendre la hitbox sur la moto, mais on n'y arrive pas. Attention, les pourcents qu'ils ont trouvé, 43%. Faut faire très attention. Ok, on ne se prendra pas ce down air. Ah, on fiche beaucoup pour des backers. Hein. C'est... Oh, attention!
Mais non mais attendez mais on est sur une Switch modée là, c'est pas possible. Il a pas de chance là par contre Yogi. Mais bah il a pas de chance mais ce tirage par contre c'est la luck du jeu genre juste. La première game Stitch Dot. Même la première game il a eu un Stitch et deux Dot hein. C'est vrai en plus. Il les a pas eu d'affilée. Oui. Mais c'est quand même un très bon ratio tu vois. Bon, ceci dit. En fait, je crois que 3 Dot Page et 6 Page défilés, c'était une fois sur 72 000. Ah ouais. Oh, ça tente. Alors, ça tente un WAP qu'on n'a absolument pas. Il l'avait déjà utilisé. Non, mais il avait déjà fait le. C'est le tirage de Fate in Face. Oui, oui, ouais. Non, moi je parlais du WAP. Oui, ouais. Il l'avait utilisé. Oui, il l'a fait parce que du coup, on a passé les 5 minutes. Ouais, non, mais. Il l'avait utilisé avant de l'utiliser parce que là, il a fait un WAP pas du tout chargé, genre. Mais dis-moi du coup. Non même pas. Genre c'était vraiment un waft en mode il a pété presque dans le vide. Ah d'accord. Genre t'avais juste une boule de fumée. Ou alors il a été cancel, je sais pas si c'est possible. Du coup là il a plus ouais, là il est bien. Ça m'étonne, je crois pas l'avoir vu utiliser un waft. Bon ceci dit, il y a 163%, attention. Ouh on sent. Le mash. Pauvre manette et ça trouve ce backer. Dembski commence à. Il faut pas se perdre ce mental. Il faut pas le perdre. On veut en finir quand même. Ouais, on a sûrement bien. Non, pas bientôt un WAP, bientôt un half WAP sûrement. Il va falloir trouver un kill là. Parce que on n'arrive pas à finir cette stock. Et Yogi qui est en train de trouver des très bons pourcents. La Stitch Fate, non, c'est grave. Je suis désolé, mais là, la proba, il y a genre 3 trucs presque impossibles à avoir par game. Genre, ouais. Après, peut-être qu'il utilise beaucoup de navets aussi. Oui, mais... il utilise beaucoup de navets, mais quand même, parfois il y a des abus parfois. Ouais, voilà. D'affilée, par contre, ça, par exemple, ça c'est un abus, tu vois. Oui. Même si tu fais toute la game, même là, Stitch Chase bombe dans une game, c'est déjà super rare d'avoir ça. Et là, on a une stock entière d'avance. On est peut-être potentiellement sur la dernière stock. Encore une fois, après Dames, on l'a vu revenir les games d'avant. C'est tout est encore possible. Il faut juste trouver ce kill. Mais Dames qui commence à avoir mal au mental, j'ai l'impression, c'est pas fait trouver sur la très bon mix-up de DI. Enfin, ça met back throw 157%, c'est super compliqué. Non, c'était une Dutch Face là. Dutch Face. 3 par game. Aïe aïe aïe, oui, c'était bien une face, oh mon dieu. Oh, il a le toque à trouver. Et ça tue, oui. Bien joué. Dames qui s'en veut, mais. Yogi qui a été imperturbable. Il ne se fera pas reverse 3-0. C'était un très beau set en tout cas. Moi je vais rendre le micro parce que j'ai dit que c'était le dernier set que je castais. Ça marche.